Sommes au salon nautique. Vous voulez bien vous présenter déjà? Alors voilà, je m'appelle Patrick Moreau, mais tous les copains m'appellent le docteur Laficelle. Ah, d'accord. Et je tiens essentiellement à réhabiliter ce mot ficelle, bien qu'on soit dans un milieu nautique. Car figurez-vous que l'étymologie du mot bout, un bout ça désigne un cordage, tous les cordages à bord d'un bateau. Eh bien, personne n'a été foutu de me donner l'étymologie de ce mot-là. Donc j'en conclus que ça ne peut être que l'abréviation de bout de ficelle. D'accord. Et c'est un si joli mot. Et on peut faire tellement de choses avec. Alors la base de mon activité, c'est le gréement des voiliers, et plus particulièrement les bateaux classiques. Quand on voit toute cette forêt de cordages, les haubans, les écoutes, les drisses, eh bien, faut mettre tout ça en œuvre. Hein. Et ça se fait avec des nouages. Et pour chaque utilisation, il y a un nouage qui correspond exactement à la fonction qu'on attend de lui. Pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit élégant, et pour qu'il soit facile à dénouer. Enfin, tout un certain nombre de critères qui lui correspondent. Voilà. Et comment vous avez appris alors ça, tout ça? Je n'ai pas appris. Non? Alors, pour ceux qui croient en la métempsychose, c'est-à-dire la croyance qu'on est l'incarnation d'un être vivant qu'on était dans une vie antérieure, eh bien moi, je suis la réincarnation d'un bout de ficelle que j'étais dans une vie antérieure. Et j'ai pas besoin d'apprendre le langage des cordages, je le sais d'une façon innée. D'accord. Ah, il faut être assez habile de ses doigts, je pense. Oui. Mais ça, l'adresse, elle vient en faisant. D'accord. Il faut faire. Bien sûr. Et faire, et faire, et faire, et faire, sans arrêt. Et là, bon, on ne peut pas l'apprendre sur Internet, ça faut le faire. Bien sûr. Il n'y a pas le choix. Il n'y a que la pratique. Il n'y a que la pratique. Ah, vous connaissez combien de nœuds alors? Forcément des milliers. Des milliers? Je ne les connais pas par cœur, bien sûr que non. Ouais. Parce que ce serait ridicule de s'encombrer la mémoire. Mais quand on a compris comment c'était construit, les nuages, c'est de la géométrie dans l'espace. Et ça obéit à des lois, mais extrêmement précises, sinon ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Et quand on l'a compris, eh ben on peut même créer. Ah oui. Et on continue encore à trouver des nouvelles possibilités. D'accord. C'est à l'infini. À l'infini. À l'infini. Mais il doit y avoir des nœuds très anciens qui n'ont peut-être même plus d'usage maintenant, si? Les nœuds fonctionnels et utilitaires, il y en a combien? Je crois une vingtaine. D'accord. Mettons 25, grand maximum. Tous les autres, ce sont des nœuds décoratifs. Décoratifs. Ah bah oui, bien sûr. Et qui avaient un usage à l'époque de leur création, non? Non. Même non, pas? Non, les nœuds fonctionnels, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Ouais, allez, on va jusqu'à 30. Sur les vieux gréements, par exemple, il y a des choses que maintenant on n'utilise plus, peut-être? Si, oui. On utilise toujours. D'accord. Et puis on en découvre des nouveaux. Hein? D'accord. Ah oui, bien sûr. Ah, vous pouvez me dire, alors aujourd'hui, vous êtes présent au salon, alors quel est l'objectif? Ah bah là, c'est de montrer aux gens, de faire de l'animation vis-à-vis des gens et faire un petit peu la promotion de mon bouquin. D'accord. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de m'en mettre sur ma table. Ah ouais, alors là, vous êtes pas... Mais bon, parce que je suis sur le stand de Voiles et Voiliers. D'accord. Avec qui j'ai fait les bouquins. Alors, vous essayez d'initier un peu des jeunes, un peu, à cette pratique? Oui, exactement. Ils sont intéressés, non? Oui, certains, oui. Certains ont la fibre, d'autres l'ont pas. Bon, bah... Alors là, si vous pouvez me présenter rapidement un peu ce qu'on peut voir sur votre table, là, c'est vos outils, alors? Oui, alors j'ai... Bon, ça, c'est un épissoir, par exemple. Ça, c'est un épissoir plein. Ça, c'est une aiguille à gros chat pour aller chercher quelque chose et la tirer quand on travaille le cordage moderne. Et puis, j'ai un certain nombre de fibres, un peu partout. Ça paraît un peu bordélique, mais je sais où tout se trouve. Rigole pas, toi, là-bas. Donc, si on veut avoir plus d'informations dans votre livre, alors on le trouve où? Ici, sur le stand de Voiles et Voiliers. D'accord, mais après le salon, par exemple? Ah bah, après le salon, on peut le commander. Je vais retourner sur mes bateaux, mais vous pouvez le commander sur le site de Voiles et Voiliers. D'accord. Merci, monsieur.